russe. Alors, donc solo, campagne, l'ascension de Moscou. Donc là, la mission 4 que nous allons faire, c'est en 1382, 2 ans après la bataille de Koulikovo. Alors, tenir contre la horde. La vengeance allait s'abattre sur Dimitri. Les murs de pierre de Moscou allaient affronter la pire épreuve qu'ils aient, juste après, qu'ils aient jamais connue. Pardon. Toute la puissance d'un canon enragé. Ok. Donc on va gagner des objets déverrouillés, des pages d'histoire, des vidéos et tout ça. Alors, je crois qu'il y a un succès sur cette mission, je vais vérifier. Tenir contre la horde. Empêcher les Mongols d'entrer dans la ville extérieure lors de tenir contre la horde. Ok. Donc la ville extérieure, ça doit être le premier niveau, un truc comme ça. Je suppose qu'on va avoir une ville avec plusieurs niveaux. Ce qui serait cohérent. Donc on est parti pour cette mission 4. Le matin du 8 septembre 1380, à Koulikovo, l'armée russe menée par Moscou remporta sa première victoire sur les Mongols. Cette bataille, l'une des plus importantes du Moyen-Âge, joua un rôle majeur dans l'ascension de Moscou en tant que future capitale de la Russie. Pour la première fois, des principautés rivales s'étaient jointes à Moscou pour affronter un ennemi commun. À présent, de nombreuses principautés de la Russie se percevaient comme une seule nation. Les futurs dirigeants de Moscou se serviraient de cette bataille pour asseoir leur suprématie politique en Russie. Salut Momon, comment tu vas? De l'État à l'Empire. Le grand prince de Moscou, Dmitri Ivanovitch, avait mené les principautés russes à la victoire face aux Mongols, renforçant ainsi sa domination. Pour les dirigeants mongols, leur défaite à la bataille de Koulikovo fut désastreuse. Le dirigeant de la Horde d'Or fut renversé par l'un des descendants de Gengis Khan. Son nom, Toktamish. Ce dernier n'était pas prêt à laisser les traîtres russes dirigés par Moscou mener à bien leur rébellion. 2 ans après sa défaite à Koulikovo, la Horde d'Or de Toktamish se mit en marche pour attaquer Moscou. La ville n'avait pas subi la fureur des Mongols depuis plus d'un siècle. Mais cela allait bientôt changer. Très bien, donc on est parti pour une mission qui va être à mon avis assez épique. Alors, Dimitri Donskoy s'était attiré les foudres de la Horde d'Or. Assoiffé de vengeance, Toktamish Khan attaqua la capitale. Moscou paierait pour sa désobéissance. Toktamish Khan, qu'on a déjà croisé à 2 reprises, je rappelle, sur Age of Empires 2, Definitive Edition, avec la campagne de Tamerlan, quand il est notre allié au début, puis il nous trahit, et une deuxième fois dans la campagne de Lituanie avec les frères, c'était Holgerd et Kestukis, avec une alliance avec le Vytautas, c'est pour ceux qui se rappelleraient. Donc le personnage est un peu connu au bataillon, donc voilà. Donc là, on a un succès à faire pour cette mission, à mon avis, il va être chaud, mais bon. Je pense avoir une idée de comment procéder, on va voir ce que ça donne, bien sûr en fait de jeu. Dans une course contre la montre, pour consolider les portes de Moscou, le prince Dimitri et son armée d'alliés russes rejoignirent le centre fortifié de la ville. Il s'agirait d'un formidable test pour les puissants murs de pierre de Moscou. Mais la capitale pouvait-elle résister à la légion enragée de la Horde d'Or? Alors, on va commencer à se préparer à avancer, je pense. Les Moscovites avaient déjà subi de nombreuses attaques mongoles contre leur ville et savaient que la Horde arriverait en grand nombre. On va commencer à préparer les tours avec des défenses améliorées. Parfait. Et toi, on va faire avancer la ville au niveau 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Haute maison du commerce. L'abbaye de la Trinité, en vrai, ça me botterait.
juste pour avoir. On va la mettre ici. Alors je regarde un petit peu ce qu'on a par-ci par-là. Donc là on a beaucoup de pierres. Ça coûterait combien? On va renforcer nos tours. Mais là il va nous falloir beaucoup de trucs, hein. Là on a pas mal de troupes ici et là. Je pense qu'il va nous falloir plus d'archers que ça. Et je vais commencer à renforcer plus de villageois tout de suite. Donc là on a des cabanes de chasse qui vont produire autour. Donc je pense que les Mongols vont attaquer tous les côtés, ça c'est quasi sûr. Donc la ville extérieure c'est ici, hein, pour info. On a pas mal de moines guerriers, donc c'est plutôt agréable. Par contre, il va falloir beaucoup d'archers, hein. Je vais avoir besoin de plus de bûcherons que ça. Merde. Quelques archers supplémentaires seront pas de refus. Je pense qu'on va aussi faire de l'arbalétrier pour avoir assez de puissance de feu. Là, je sais qu'il y a un gisement de pierre ici. On n'a pas d'or sur cette map. Ça m'embête. On a le Kremlin là. Et si on peut faire un donjon ou deux, hein, pourquoi pas. Là, mon but, ça va être de faire un donjon. Ah, des citoyens arrivent. Fuyez, pauvre fou. Alors que Dimitri se hâtait de renforcer les défenses de la ville, les villageois voisins affluèrent dans Moscou, cherchant désespérément à fuir une armée mongole qui avançait à grands pas. Il y a du peuple, effectivement. Donc là, on va essayer de se servir tout ça, là. Comme ça, là, on aura un peu de temps pour faire des technologies de château. Donc là, ce qui nous aide, c'est les cabanes de chasse, hein. Parfait. Donc là, je vais partir tout de suite sur ajouter un camp de tir ici, un camp de caserne là. Donc on va continuer de renforcer nos forces. On va renforcer nos lanciers et nos archers. Déjà, on pourra faire des arbalétriers en plus. Un petit arsenal, ce sera pas trop non plus, je pense. Je vais commencer à faire des archères pour renforcer mes différentes positions. Et des springales aussi, ça aura son utilité. Les réfugiés venus des villages voisins de Moscou étaient tous arrivés en ville. Abrités derrière ces murailles, ils attendraient que l'assaut mongol soit terminé. Il y a de la pierre là, je vais y aller tout de suite. Donc vous là c'est bon, il va me falloir deux autres villageois ici, et je vais me servir de certains villageois pour réparer, hein. On va en avoir besoin. Qu'est-ce que j'allais dire, plus de pierres, c'est ça qu'il me faut. On va revendre du bois. Je vais faire une forteresse, ici ça a l'air bien, au centre là. Comme ça on va préparer un peu nos forces. Alors, qu'est-ce qu'on a? Augmente les dégâts à distance, ça me plaît. Et là, j'ai commencé à spammer de l'arbalétrier. Plus on aura d'arbalétrier d'entrée de jeu, mieux ce sera, bien sûr. Donc là, en fait, ce qui nous donne de l'or, c'est les cabanes de chasse, ici, hein. Voilà, je vais détruire ce camp-là. Donc là, on va renforcer tous nos archers au mieux. Ça y est. Les Mongols vont arriver. On prépare des donjons. Entendant au loin les battements tonitruants des tambours de guerre mongols,
Dimitri ordonna à ses hommes de se mettre en position. Si une brèche s'ouvrait dans les murs de pierre, la ville tomberait. Allez, tenez contre l'ordre maintenant. Un emplacement d'Espringal ici, ce ne sera pas de refus. Peut-être faire une tour. Bon, très bien. Ça y est, ça arrive. Allez, let's go, on rentre, on tue là. Les arbalétriers, vous allez nous aider. Donc là, ils sont repoussés pour le moment. C'est pas mal. Notre contingent, là, il a fait le job. Il faut surveiller d'où viennent les autres cavaliers, là. Bon, ils se replient pour l'instant. On a 8 arbas. On va monter à 2 de plus. J'ai vu une tech qui me plaisait, là, à l'arsenal. Les trucs qui font plus de dégâts aux arbas. Notre bois là, ça pue par contre. On va essayer de se planquer. Bon. Ok, on peut retenter une sortie là. N'empêche, ça prépare super la horde. Drôle d'idée. Bon, on essaye, on fait au mieux. Hein. Bon, là ça va, nos tours tiennent bon. Allez, un petit peu de soin ici. Allez, c'est bien. Donc là, je vois qu'on a subi des dégâts. Ouf. La tour, là, l'a subi. J'essaie de faire migrer un de mes petits groupes par là. Attention ici, beware. Bon, c'est bien notre tour. Elles tiennent bien, elles font le boulot. On est en train de focus les cavaliers en armure lourde. C'est eux les plus dangereux à l'heure actuelle. Allez, mes mignons. Là, nos archers, ça fait la Gatling. Ça, c'est beau. Bien joué, c'est très bien. J'ai bien fait de réussir à faire barrer mon groupe ici. Donc là, ils visent que les maisons pour le moment, ça va. Oh oh, j'ai perdu tous mes villageois là, ça pue. Il va nous falloir plus de villageois en renfort là. Si je perds ma tour là, ça serait con. Arbalétrie, visez-moi ces. Hop! Allez, du soin. Je crois que j'ai aussi augmenté un peu l'armure de mes troupes, ils vont en avoir besoin. Bon, pour le moment, on tient bon. Alors, je sais pas si c'est du délai ou s'il faut faire un carnage dans les troupes adverses. Ouh là là, attention. Donc on a réussi à se replier pour l'instant. Alors les moines guerriers sur les archers de mon coup d'œil. Allez, c'est bien. C'est pas mal du tout là. Notre armée, elle tient bien pour l'instant. J'essaie de me planquer. Ah, oh, ils m'ont trouvé. Bon, tant pis. Ça va au moins les éloigner un peu. Ouh là là, on va perdre une tour. Je crois que je vais faire un second bastion dans le coin. Allez. Allez, par là. Je crois
crois que je vais renforcer mes arbalétriers. J'en ai besoin de plus là. Bon, c'est cool. Là, nos défenses tiennent bon. On va mettre une espingale ici en plus. Oh, joli. Et là, en plus, avec le support de ce deuxième donjon, là, nos portes vont bien tenir, je pense. Ouais. Bah alors. Bon, là, on s'en est bien sorti aussi, c'est cool. Oh, les enfoirés, ils ont localisé le camp, évidemment. Bon, on n'aura plus que de la bouffe pour le moment. Allez. Non, 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 mais qu'est-ce que vous me faites, malheureux? Vous avez fumé, les gars. Reculez, reculez. Alors, je sais pas comment ils font. Bon, pour le moment, ça va, on tient. Nos archers, là, ça fait le job. Il va me falloir de la pierre, là. Une nouvelle menace se présentait devant les portes de Moscou. Ah. Les Mongols déployaient leurs plus redoutables armes du siège. Ça calme, là, d'un coup. Donc, j'en ai 12. Je spammais 4, plus d'arbitriers possibles. Donc vous quatre, vous allez aller par là. Donc là, ils sont en train de taquer tous mes trucs pour que j'ai plus beaucoup d'or à terme. Allez, tenez bon. Ah, ils sont ralentis là, attention. Vous allez me chercher vite ce mangono là-bas. Attention. Oh, ça va, on s'en est bien tiré. Vous deux là. Bien joué. Les tambours de guerre mongols se rapprochant, les Russes savaient que la horde ne fléchirait pas. Bien joué, on recule. Par là, on a souffert. Ah, ils détruisent toutes nos cabanes de chasse. Hein. Il va nous faire plus de pierres. Peut-être faire une tour en plus ici. Parce que je sens qu'ici, on va peut-être avoir une attaque. J'ai ce sentiment là. Oh, attention, reculez, reculez. Des onagres en plus, attention. Comment ça, sauver votre chef? Oh! Bon. On va essayer de sortir nos prêtres guerriers de là. Voilà, ça se passe bien. Reculez, reculez. Heureusement qu'ils n'utilisent pas leur fameux... Ah non, heureusement, là, je serais dans la merde. Donc là, il faut que je refasse vite des pécores.
Il va me faire faire d'autres moines guerriers aussi, hein. Bon, on va tenter une sortie, hein, let's go. Ah, ils sont en train de faire mal, hein. Allez. Là, ici, c'est réussi. Tu sais quoi, on va tenter un petit tour, là. Oh, oh. Vous, par là. Il faut vite raser par là, sinon on va pas y arriver. Attention, par là. Vous, par là. On va se diviser en deux groupes. On va les faire courir leur mongono. Ouf, attention. Bien joué. On va continuer à tataner. Vous, vous allez me réparer ici. Bon, là, ça va leurs archers, ça. Oh, ils ont des trèbles. Oh là là, attention. Vite. Ok, oh là là, ils ont des trèbles, faut aller les chercher. Un autre trébuchet. Faut vite les péter là, allez. Faut que ça aille vous sur les trèbles, allez. Bien joué. Maintenant, on tabasse. On va essayer d'en échapper, faire quelque chose s'échappe ici. Oh là là, notre château, il va pas tenir. Vous par là, allez. Bon, pour le moment, notre château tient, mais difficilement. Oula. Reculez, reculez. Par contre, là, il nous faut plus d'hommes que ça. Hein, pour faire des lanciers. Bon, là, ils sont bien désorganisés. Que je tenterai pas une petite sortie là. Oh putain, ils ont eu mon donjon, saloperie. Là, faut les empêcher d'entrer à tout prix. Et non, ça va être compliqué pour nous. On va se faire un petit hop. Ah, les achats, ça commence à être compliqué. Ah non. Oh putain. Faut les empêcher d'entrer, mais ça va être chaud. C'est impossible. Ils ont trop de trèbles. Allez, par là, vite. En fait, c'est leur foutu trébuchet qui nous mettent dans la merde. Hein. Allez, on a des troupes en plus. Là, on va essayer de tenir, mais ça va être coton. Ok, on en a encore eu un, c'est bien. Allez. Je vais te sortir mon chef de là. Oh, soigne-toi, soigne-le. Soigne-le, soigne-le, allez. Ah, ça calme. Allez.
aller chercher là. C'est peut-être le dernier trèbe à péter avant qu'on... Et on sera tranquille. Il y a d'autres trèbes là-bas, on va aller les chercher. Faut vite refaire les murs. Non, 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 rentre pas. Ça va, ils sont pas rentrés. Oh, ça c'est abusé, non, je suis pas d'accord, l'artillerie était guidée, non, non. Non, non, là, faudra peut-être arrêter le délire un peu, hein. Et là, je peux le dire que c'est abusé, je suis désolé. Les tireurs, oui, mais non, pas l'artillerie, quoi. Bon, on va commencer à refaire les murs par-ci, par-là. Ouais. Bon, par contre, là, il va me falloir refaire une armée parce qu'on va en avoir besoin. Ok, on a tenu contre la Horde. Bonne nouvelle. Maintenant, on va rentrer. Les Moscovites défendirent vaillamment leur capitale face au terrible assaut des Mongols. Mais une armée encore plus grande s'apprêtait à frapper la ville. Oh putain. Avec le peu de temps qui lui restait, Dimitri ordonna à son armée de retenir les Mongols assez longtemps pour que les citoyens puissent s'enfuir. Ouais. Ah tiens. Ça va, vous avez pas plus abusé encore, non? Ouh, on l'a eu. Succès déverrouillé hors de ma basse-cour. On peut mourir tranquille. Bon, on va essayer de tenir. Reculez, reculez. Je crois qu'on va se replier au second niveau, hein. Vous reculez aussi. On va reculer, on va revoir nos points de ralliement. Allez, visez-moi ces armes de siège là. Les palissades en bois de Moscou ne résistèrent pas longtemps aux torches mongoles. Désormais, seuls les anciens murs de pierre pourraient empêcher Dimitri d'être vaincu. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a mis des tours là où il faut. Donc je pense que ça devrait le faire. Là, nos troupes, elles vont tenir bon. Ah, il y a une paysanne là, qui sert à rien. On va vite la rapatrier. Et vous? Vous croyez vraiment que je pourrais vaincre tout ça, les gars? Hein? Je veux pas être méchant, mais je suis sceptique. Est-ce que Top Takmish, il est là? Ah, c'est cool qu'il l'ait pas mis dedans. Ouais. Arbalétrie, vite. Fumez-moi ces tours. Vous là, là-haut, vite. On a réussi. Dimitri et ses hommes tinrent la ville, donnant à certains citoyens de Moscou le temps de fuir. Mais en dépit de leur défense inébranlable, les Russes ne pouvaient plus tenir, et la capitale céda à la Horde en supériorité numérique. Toptamish Khan mit la ville à sac, pillant ses richesses et massacrant tous les Moscovites restants. Bah, tu m'étonnes. Le prince Dimitri n'eut d'autre choix que de prendre la fuite, abandonnant sa ville. L'indépendance russe devrait attendre. Ouh.
Ah, ils ont changé. Mission terminée. Avant, c'était victoire. Bon, ça, c'est plus cool. Alors, après la terrible mise à sac de Moscou, le prince Dimitri fut de nouveau forcé de se soumettre au Khan. La lutte pour l'indépendance reviendrait au futur prince. En même temps, ils ont fait comme ils ont pu, hein. Est-ce que j'ai fait un truc spécial de progression? Non. Ah, si j'ai terminé une activité quotidienne, je ne sais pas laquelle, mais bon, ça, on s'en fout. Alors, on va voir un petit peu le visage de la bataille. Mais je suis content, je l'ai réussi à l'avoir succès là. Comment il s'appelle? Alors, où est-ce qu'il est? Alors, attends. Alors de ma basse-cour, tiens, je me demande combien de pourcents l'ont eu. Tiens, par curiosité. Il est pas évident à voir, alors difficile. Donc ça c'est fait. Alors hors de ma basse-cour. Ah, on est 2% des joueurs. Bon bah c'est bien, c'est un succès rare encore qu'on a eu. Ça c'est cool, ça fait toujours plaisir. Donc là on va voir la vidéo, le visage de la bataille. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Au sein de l'armée de Moscou et de la Horde d'Or se trouvaient des créatures à l'apparence étrange. Des visages grotesques et sinistres qui terrorisaient l'ennemi. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. Seuls des artisans extrêmement doués pouvaient fabriquer ces masques. De nos jours, en Pologne, Andrzej Maziar maîtrise parfaitement cet art. L'opération commence avec une plaque épaisse en fer forgé. Le marteau étire la plaque et l'arrondit pour former les prémices d'un visage. Plus le métal est étiré, plus il s'affine et devient facile à travailler. Andrzej marque un point central et les contours du nez. C'est le seul guide dont il se sert. Et il fait tout le reste à l'œil nu. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual impact. Le métal ne peut être étiré que jusqu'à une certaine limite, donc une fente est découpée pour permettre la formation du nez. Libéré des limites de la plaque rigide, le nez prend sa forme distincte. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. À chaque coup de marteau, le masque prend de plus en plus forme humaine. Le fourneau l'emplit de la fureur du guerrier. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. Un homme peut projeter sa puissance avec un tel masque. Il peut cacher sa peur avec un tel masque. Il lui permet de n'afficher que son courage. Eh ben, c'est sympa tout ça. Ils ont vraiment un beau style quand même. Ça rappelle un peu aussi les casques Coumans à un moment qu'on avait croisé dans Jaff 2. Alors, l'Empire s'affaiblit. La Moscovie était restée sous le joug du Grand Empire mongol pendant près de 2 siècles.
Mais malgré sa puissance, l'empire n'était pas à l'abri d'une guerre civile. Les petits-fils de Genghis Khan à l'est s'étaient férocement battus pour obtenir le titre de Grand Khan. Plus tard, à l'ouest, différentes branches de la famille se disputèrent la suprématie sur la Russie, la Persée et la Crimée. Le Khan Toctamish de la Horde d'Or fut impliqué dans une longue série de violents conflits contre son ancien partisan Timur, le Khan dominant au Moyen-Orient. Timur était puissant et leur guerre fut désastreuse pour Toctamish. Il perdit son armée et sa capitale et fut finalement contraint de prendre la fuite. Alors que ceux qui restaient la Horde d'Or affrontaient les Khans voisins, le moment était venu pour la Moscovie de profiter de leur faiblesse. D'accord, bah, là c'est cool, un petit clin d'œil à Geoff 2. Bah, elle était cool cette mission. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Moi, ça, je me suis éclaté en défense. Bon, j'ai eu peur de ne pas avoir de succès, mais finalement, je l'ai eu. Et ça, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine YouTube. Des bisous. Ciao, ciao.